Bonjour à tous. Ces enfants, je les ai vus partout dans le monde. Que ce soit au Yémen, que ce soit au Liban, que ce soit en Asie, en ex-Yougoslavie, dans les Balkans en général, en Afrique évidemment. Je les ai vus partout dans le monde. Et partout, partout, je dis bien partout, ils ont été présents, mais actifs dans les guerres, actifs dans ces guerres civiles. Avec ça, je vais éventrer les Tchétniks et leur couper les couilles. C'est la première ligne. Manipuler, enrôler les enfants sont, comme ici au Congo, précipités dans la guerre civile. Sur l'aéroport de Goma, le commandant en chef de l'armée de libération, le commandant Ondekan, donne ses dernières instructions aux troupes congolaises partant pour le Kasaï oriental. Le cessez-le-feu n'empêche pas les protagonistes de renforcer leur position. Vous comprenez tous Lingala? Il n'y a pas de problème? Qui ne comprend pas Lingala? Il faut que vous soyez correct avec les habitants des villes et des villages que vous traversez. Vous êtes là pour les libérer, pas pour les violer ou les voler. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre nos frères, mais contre le système qui s'est instauré dans notre pays, contre la dictature. Si on vous demande, à vous les rebelles, pourquoi vous vous battez, vous répondrez, la première guerre comme celle-ci a pour but de chasser les dictateurs. Et pour que vos parents puissent vivre dans la liberté et la démocratie. Maintenant, nous entrons dans une ère de négociation. Si nos propositions sont acceptées, et si Kabila accepte de partir, en reconnaissant toutes ses fautes, nous pourrons enfin vivre dans la liberté et la démocratie. On s'est bien compris ? Nous sommes en train de les réorganiser pour qu'ils aillent au front, pour qu'ils aillent... un briefing pour garder la population, combattre l'ennemi, et suivre les commandements de leur chef. Et tout ça, il faut rappeler, ils savent, mais il faut rappeler à tout moment pour que la discipline soit de fait. Et ce sont des jeunes, vous les avez vus, ce sont des jeunes gens qui ont un moral solide, qui ont une détermination. C'est ce qui fait que nous ayons beaucoup de victoires sur le terrain, puisque vous les avez vus, en train de danser, ils ont dansé ensemble avec moi et je les adore. Ce sont des mecs qui travaillent bien. En Somalie, je rencontrais des jeunes enfants qui, eux, ne se battaient que pour une chose, la drogue que leur donnait leur chef de guerre. Sur la plage de Mogadiscio, un petit groupe de miliciens se détend entre deux patrouilles sur les lignes de front qui partagent la ville en quatre secteurs. Parmi ces hommes en armes qui pillent et terrorisent la population se trouvent des enfants, dont la moyenne d'âge va de 12 ans à 15 ans. Ils sont, d'après l'UNESCO, plus de 10 000 dans la capitale de la Somalie.
Farah Ali est l'un des leurs. Il a perdu ses parents, tués, lors des combats qui ravagent le pays depuis 1990. Il a réussi à survivre comme tant de ses copains en s'enrôlant dans la milice du clan auquel il appartient. On lui donne en retour quelques shillings qui lui permettent d'acheter 3 ou 4 cigarettes par semaine. L'assurance de pouvoir dormir parmi d'autres miliciens, ce qui pour lui est un gage de sécurité. Et, tous les jours, une ration de 4, une drogue hallucinogène, importée par les chefs de guerre depuis le Kenya et le Yémen. Qu'est-ce que je connais ? Moi ? Qu'est-ce que je connais ? Le Coran ? Et quoi d'autre ? Les armes ? Quand on n'a plus personne autour de soi, quand tu n'as plus de protection, tu cherches avec ton clan pour survivre dans ton quartier. Mes compas aussi sont devenus comme moi. C'est comme ça. Quand tu tires sur quelqu'un, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu voudrais faire après la guerre ? Je voudrais rentrer à la maison, prendre une douche, m'habiller et voir mes amis. Qu'est-ce que c'est ? C'est du 4 ? J'aime le 4. Mais si dans 6 heures je n'en ai pas d'autres, il faudra que je tue des gens pour en avoir. Car je ne peux pas m'en passer. Quel âge as-tu ? 14 ans ? Tu as 14 ans ? Le 4, ça me lave le cerveau. Ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu gagnes à être milicien ? De l'argent et du 4. J'aimerais être riche comme un chef de guerre. Ouais, j'aime l'argent. Moi, j'aimerais être général. Une arme, c'est comme un vêtement. C'est mon compagnon. Je bats pour mon chef. Pourquoi tu as une arme ? J'ai une arme pour me défendre de l'ennemi. Contre quels ennemis ? Laisse tomber cette question. Moi, je n'ai rien appris. Je sais seulement comment tuer les gens. Quand tu vois des enfants à la télévision qui jouent, qu'est-ce que t'en penses ? Ce n'est pas bien ce qu'ils font. Moi, je n'aime rien dans ce monde. J'aime rien. Ça suffit, vous en avez... Une enquête d'un grand hebdomadaire américain sur les sociétés militaires privées montre que le recrutement des combattants se fait de plus en plus dans des pays qui viennent de sortir de la guerre civile. Et l'âge des combattants, là, nous éclaire sur la cible de ces sociétés militaires qui voient dans ces jeunes gens un intérêt économique évident à les prendre comme combattants et à les former, bien sûr. Alors voilà ce que j'ai pu voir dans le monde et en Afrique et en Asie,
Figurez-vous que des massacres ont eu lieu. Ça a été absolument horrible, fait par des enfants. Au Cambodge, les enfants ont été pris en main par les Khmers rouges. Ils ont massacré leurs parents. Quant à l'ONU, que peut-elle faire? L'ONU condamne, bien entendu, mais que peut-elle faire? Rien, absolument rien. C'est à nous, journalistes, de dénoncer, de reprendre tout le temps ce thème des enfants soldats qui se battent partout, de le dénoncer, de le montrer. C'est à nous et à nous seuls. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé être ici. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Et n'oubliez pas le pouce.